Vous savez, les camions en provenance de Jordanie, quand ils arrivent au barrage tenu par Daesh, ils doivent payer une sorte de taxe. Et en échange, on leur remet même un reçu au nom de l'organisation. L'organisation recrute du personnel civil, ingénieurs, médecins, techniciens, et leur offre des salaires, plusieurs centaines d'euros par mois. Le message est double. Le sabre pour les infidèles, l'espérance d'une vie meilleure pour les disciples. Ils sont rusés. Chaque jour, Daesh crée de nouvelles taxes et invente des stratagèmes pour racketter les citoyens. Ils confisquent leur argent et leur maison, qu'ils revendent à ceux-là même qu'ils ont volé. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont maintenu également en activité les banques. On estime qu'ils contrôlent à peu près 24 banques et branches bancaires, à la fois en Irak et en Syrie. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces banques fonctionnent toujours à l'heure où l'on parle. Ces banques effectuent des transactions internationales. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions pour l'instant.